Bonjour à tous. Je vais vous présenter les cartes que j'ai collectionnées. Bon, j'ai acheté un classeur sur Amazon, comme ça. Pour moi, j'aime beaucoup. Après, je vais vous montrer les GX, les Mega X et les X que je viens juste de trier. Et, comme vous pouvez voir, mon petit logo ici sur la pochette où il a marqué Ultra. Pro, c'est ça, c'est les pochettes pour moi les meilleures. On a aussi sur Amazon. Par contre, désolé si vous n'avez pas réussi à avoir le mot, c'est à cause de le reflet. Bon, la première carte, aussi Dragofeu GX 250 PV 300 d'attaque. Voilà, deuxième Mega X Dragofeu 220 PC et 500 d'attaque. Après, Dracofeu X 180 PC 120 d'attaque. Solgaleo O en ultra rare 250 PV 230 d'attaque. Voilà, après les autres en GX, ce que c'est pas les ultra rares, un petit peu différent. Pareil pour Nana, ultra rare et tout, 250 PC 120 d'attaque. Bon, c'est les mêmes. Sauf celle-ci, c'est 50 fois et 120. Hop. Ici. C'est des Nunanas. Nunanas. Hop. Après, nous avons Féaferno GX, 250 PC, 200 d'attaque. Après, nous avons un méga Camerup X, 230 PC et 120 plus, je ne sais pas si ça fait des pilotages, d'attaque. Après, nous avons un OO GX, 190 PCV et 180 d'attaque. Après, nous avons un Volcanion X 180 PV 130 d'attaque. Puis nous avons un Primarina GX 250 PC 120 d'attaque plus 3 d'attaque. Voilà. Nous avons un Wellmer X 250 PC 120 d'attaque. Après nous avons Funard d'Alola GX 210 PC 160 d'attaque. Après nous avons un Givrali, une évolution de Evoli GX 250 PV 90 d'attaque plus un 50 fois. Okay. Après nous avons un Loclass ultra rare. J'ai vu sur Amazon aussi avec le 24, les 25 cartes. Hop, 190 d'attaque, 100 d'attaque et 160 d'attaque. Hop, ça c'est les mêmes, donc je vais passer rapidement, assez rapidement. Juste pour vous montrer. Après nous avons un Léviator d'une série voilà très rare. C'est la carte les plus rares. Parce que quand nous allons regarder le. Vous voyez pas. Moi je vous. Attends, regardez. Vous voyez pas. Et ici, on a marqué le numéro 123 sur 122. Donc c'est une ultra rare. Après nous avons un Tokopisco GX 170 d'attaque. Ultra rare et 20 d'attaque. L'attaque c'est pas grave, hein, si elle est ultra rare c'est quand même rare. Après nous avons une turbo Alclac 140 PC et après là, une attaque que je vais pas vous faire dire. Voilà, parce que j'ai pas trop envie de perdre mon temps dessus. Mais attendez, voilà, pour ceux qui voient mal, ça n'aura pas besoin de tourner son écran. Hop. Ah ouais. Nous avons un Maconeur. Attends, c'est le type terre, si vous avez remarqué mon rangement, voilà. Maconeur, 250 PV, 180 d'attaque. Là, c'est le même. Ce sont en autre sorte, tu vois. Après, Mega Lucario, 220, 140 d'attaque. Après, nous avons un Lugarok, GX. Je l'ai en deux fois. Et j'ai un Lugarok du type sombre. Après, nous avons un Zygarde GX, 180, 120 d'attaque. Ouais. Ça, nous avons trouvé à Zodio dans Carrefour, si vous voulez, ils sont toujours disponibles pour l'instant. Moi, j'habite à Comble-la-Ville. Ok. Donc, Lucario X 180 PC 100 d'attaque 60 et 30. Ok. Après, nous avons un Archiduc GX 240 PV 90 d'attaque. Ouais, c'est les mêmes, sauf en version différente. Après, les attaques qui changent, du coup, je vais vous les mettre. Voilà. Après, nous avons un Le Grand Ranti GX 210 des PV 120 d'attaque. Après, nous avons la même. Peut-être que les attaques changent, je vois. Non.
Ok. Après. Samuret. Samuret. GX. 210 PV. 150 d'attaque. Vous me direz dans les commentaires si vous avez précisément les cartes que je vous ai montrées. Envoyez-moi ça en commentaire, ça pourrait être sympa. Et je vous ferai comprendre. Après, Chelour GX 210 PV, 100 fois attaque. D'attaque. Après, Ronflex GX 210 d'attaque. Pour aller plus rapide, je vais vous dire que la plus grosse attaque, ok? Après, Gruchos GX 210 PV, 100 d'attaque. Ici, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longue non plus. 210 PV, c'est cru ça aussi, mais en version du coup c'est la même. Après, nous avons un truc Pokémon. Si vous jouez sur Pokémon Go, ce Pokémon-là ne trouve que en Angleterre. Ça s'appelle Tauros GX 180 PV et 60 d'attaque. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous jouez à Pokémon Go et c'est quoi votre plus fort Pokémon. Moi je joue perso. Pas encore super fort, mais mon Pokémon c'est 1700 plus fort. Ok, après nous avons un Mega Tyranocif X 240 PV 110 d'attaque. Celle-ci elle est très rare, c'est une de mes plus vieilles cartes. Je vais vous lire parce que vous voyez pas, elle est de 2015, c'est l'une de mes plus vieilles cartes, mais ce n'est pas là. Mais en GX, c'est ma plus vieille carte. Okay. C'est celle-ci que j'ai depuis très 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 longtemps, quand j'étais petit, je jouais. Après, celle-ci, de pas longtemps, je l'ai eue. Angloréon, Ultra Chimère, 210 d'attaque, 180 attaque, non, 210 PV, excusez-moi. Après, ça, c'est une évolution de Evolue, 200 PV, 90 d'attaque. Ça, c'est le même. Et des attaques qui changent, non. Après, Yvetal, GX, j'aime beaucoup. Elle est full art, très douce. Très bien, 180 PV, 100 d'attaque. Après, Mega Gardevoir X, 210 PV, 110 plus d'attaque. Après, nous avons un Mentali GX, 200 PV, 60 plus d'attaque. Après, nous avons la même, ici, ici, et ici un Zeroad. GX Ultra Chimère, 180 PV, 120 d'attaque. Ici, nous avons, je vais vous tourner, j'ai ici un petit Tunica Turbo. Je peux pas vous lire parce que c'est une japonaise, je peux que vous lire les PV 180 et 120 d'attaque. Voilà. Je peux pas dire votre nom, je ne connais pas par cœur. Voilà. Que j'ai eu à l'école et tout, voilà. Ok, après, j'ai une dresseuse. Alors, attendez, excusez-moi. Après, j'ai un Nafali GX, 200 PV d'attaque, 110 d'attaque, PV 200. Une évolution des évolues très rare. Après, j'ai un Gardevoir X, 170 PV, 120 d'attaque. Moi, j'aime beaucoup les Gardevoir, dites-moi ça en commentaire si vous aimez. L'une des cartes que je préfère, c'est mon Tocorico GX, 170 PV. Et 130 d'attaque. Mais bien sûr, mon préféré, c'est le Solgaleo. Non, pas Solgaleo, excusez-moi. Ça va être Dragonfeu GX, ma plus belle carte. Et je vous montrerai à la fin ma plus belle, belle, belle carte. À la fin, ça sera la surprise pour vous. Désolé. Hop, après, j'ai un Hyporoi X170 PV, 60 plus d'attaque. Après, j'ai un Dresseur Foulard Lovi de Dénure. Après, j'ai Chéri en foulard, bien sûr. Après, j'en ai encore une autre. Barbara. Foulard. Après, Next Ball. Ultra rare. Ultra Ball. Ultra rare. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous montrer et aller chercher la carte de la surprise, et je vous laisse, je me pose. Ciao! Me voilà de retour. Je vais vous montrer ma plus belle carte. Si je vous dis pas un petit format comme ça, vous devez les connaître dans les grands coffrets. Il y a des boosters, une carte offerte et tout, avec des géantes cartes. Je vous la laisse. Ce 3 Pokémon, ne lisez pas les PC s'il vous plaît. Regardez juste les 3 Pokémon. Ces 3 Pokémon là sont les 3 nouveaux Pokémon légendaires.
sur Pokémon Go que dans la plaque qui les ont eu. Là, moi, j'ai pas eu, perso. Oh. Et ils sont en carte, réunis tous ensemble. Riku, Eten, et Suyunzu. Tous réunis, la marque est bien. Pokémon légendaire, c'est une vraie carte, hein. Je peux même vous la retourner si vous voyez. Voilà, comparé avec les autres cartes du derrière. C'est la même. Voilà. Après, dessus, il y a marqué Pokémon légendaire. Par contre, ses attaques 500 PV. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Mais en même temps, c'est des Pokémon légendaires réunis. Plus les 1000 d'attaque. C'est énorme, c'est juste énorme. Bon, j'en ai d'autres. Je vais vous laisser, je vais juste aller les chercher. J'en ai plein de dégrandes. Je vous laisse sur ce. Je reviens vite. Voilà, j'ai été chercher mes Pokémon. Je vous vais présenter ma plus forte carte après. C'est Lugarok. Voilà, c'est le même format que j'ai monté, 200-200. Voilà. Après, un Archiduc. Je vous ai montré aussi. 240-90 d'attaque. Je vous ai montré aussi celui-là. Mes 40, je n'arrive jamais à le dire. X, 230 PV, 120 plus d'attaque. Voilà. J'en ai encore une autre. Méga Lagron, X 220 d'attaque, 130 plus. Celle-ci, c'est la carte de plus grande que je tiens le plus parce que ça a été ma première carte grande que j'ai eue et que j'ai découvert que ça existait. J'ai un Zigaï. J'ai ce que je trouve à jeter au tour encore près. 180 PC, 120 fois d'attaque. Après, j'ai ma dernière carte, Dragofeu X, 180 PC, 120 d'attaque. Bon, sur ce, je vais bientôt vous laisser. Je vous montre juste ce parfait classeur. Commandez-le sur Amazon. Ne vous inquiétez pas, c'est super bien. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, ciao. Et je vous ferai peut-être des vidéos sur Fortnite Battle Royale. Parce que j'ai des skins et tout, et j'aimerais faire un inventaire pour la première fois. Allez, ciao pour ma première vidéo. Likez et mettez des pouces bleus. Ciao!